Bonjour à tous les amis, soyez la bienvenue sur Super Héros et Compagnie. Nous allons jouer aujourd'hui avec ce jouet Robocar Poly qui est un circuit et qui s'appelle Véhicule Intelligent, le circuit intermédiaire. Alors pourquoi ce circuit intelligent? Eh bien tout simplement parce que Poly va rouler tout seul sur le circuit et reconnaître automatiquement les feux de signalisation et les barrières et s'arrêter quand le feu sera rouge. Regardons l'arrière de la boîte, voici le circuit. Le jouet est d'ailleurs compatible avec les autres circuits Robocar Poly et on va pouvoir ainsi l'étendre pour recréer toute la ville de Vroomville. Il est temps maintenant d'ouvrir la boîte et de découvrir son contenu. Voici tout ce qu'il y avait à l'intérieur, notamment une planche d'autocollant pour les décorations et cette petite notice de montage. Voyons maintenant la voiture de Poly, la voici, elle est entièrement en plastique. Et quand on la compare avec la version en métal de Robocar Poly que voici, les deux sont absolument identiques et de la même taille. Il y a juste une petite différence en dessous, des petits contacteurs que vous voyez, un interrupteur et des roues en caoutchouc, puisque ce véhicule-là est électrique. Et en ce qui concerne les accessoires qui sont livrés avec le jeu, il y a tout d'abord ici la station de recharge. C'est ici que Robocar Poly va faire le plein d'énergie. Ça fonctionne avec des piles. On les met en place, voilà. Il y a également le feu tricolore qui lui également fonctionne avec des piles. On les installe immédiatement. Voilà, c'est chose faite. Et enfin, la fameuse barrière. Lorsqu'on la baisse, le feu rouge clignote automatiquement et Poly s'arrêtera immédiatement. Montons maintenant le circuit. Les pistes sont très faciles à assembler. Elles s'imbriquent comme des puzzles. Et voilà, l'assemblage du circuit intelligent est maintenant terminé et Poly est prêt à l'essayer. Mais avant de parcourir la route, il va d'abord devoir être rechargé. On le pose donc sur la station de recharge qu'on allume. Le voyant de charge vert s'allume et lorsqu'il s'éteint, Poly sera prêt à affronter la route. Jetons un œil sur le circuit, nous avons donc un pont. Le fameux feu tricolore. Et la barrière qui s'allume lorsqu'on la baisse. Super, la charge de Poly est terminée. Il peut maintenant prendre place sur le circuit. Donc on l'allume. Les gyrophares se mettent à clignoter. Et pour le mettre en route, il n'y a plus qu'à lui donner une petite impulsion pour le faire démarrer. Et voilà, Poly est parti. Et attention au feu tricolore. Ah, il passe au rouge, Poly s'arrête et dès qu'il est vert, il redémarre tout seul. C'est vraiment magique. Et lorsqu'on utilise plusieurs voitures intelligentes en même temps sur le circuit, il n'y aura jamais de carambolage car les voitures gardent automatiquement une distance de sécurité de 5 cm et s'arrêtent toutes seules lorsqu'une voiture devant elle s'arrête également. Fermons à présent la barrière et regardons ce qui va se passer. Poly s'arrête tout seul, il reconnaît le panneau de signalisation. Faisons-le redémarrer. Et ce qui est vraiment trop cool avec ce circuit, c'est qu'il est compatible avec les autres circuits Robocar Poly. Et comme j'avais quelques pièces, je l'ai quelque peu étendu. Regardez, il est superbe comme ça. Et Poly continue tranquillement son chemin sur les pistes de Vroomville.
Je vous ai présenté aujourd'hui le circuit intelligent de Robocar Poly, un circuit magique où les voitures reconnaissent automatiquement les panneaux de signalisation et s'arrêtent toutes seules. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher énormément de pouces bleus et surtout abonnez-vous en cliquant actuellement sur mon logo qui s'affiche à l'écran. Vous serez ainsi averti automatiquement quand une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et Compagnie bien sûr. Bye bye les copains.